la semaine dernière, c'est vrai qu'on avait perdu et j'étais plutôt satisfait du contenu. Comme quoi, des fois, il n'y a pas beaucoup de vérité dans le sport. Là, aujourd'hui, on est tombé contre une très très belle équipe de Colmar qui méritait sans doute plus que la défaite. Malgré tout, ce qui a fait notre force, c'est cette faculté peut-être à défendre bas et à bien défendre bas. Cette faculté, quelque part, à avoir ou à présenter notre fonds de commerce. Je l'ai toujours dit, le fonds de commerce d'une équipe ou dans un sport, c'est l'intelligence dans les placements, c'est la faculté à vouloir se dépasser. Et j'ai trouvé que, quelque part, pendant plus d'une heure, les garçons ont montré ça. Évidemment qu'aujourd'hui, la conservation du ballon, le pourcentage, elle est largement favorable à l'adversaire. Mais encore une nouvelle fois, voilà, on a connu l'inverse la semaine dernière. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fin, c'est les statistiques. On n'a pas pris de but, on en a marqué un. On a su être efficace, tout simplement. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et ce qui est juste important, c'est que je trouve que mon groupe méritait de gagner assez rapidement dans le championnat, parce que quand tu as autant de chamboulements et que la vie de groupe est aussi bonne, dans la faculté à travailler, dans la faculté à être à l'écoute, à commencer à se connaître, et je trouve qu'effectivement c'est une récompense qui est logique. Voilà, donc je suis satisfait pour eux. En masculin, ça n'importe rien. Pas de la déception, je pense, c'est plus de la frustration d'avoir pensé que c'était possible de le faire et de ne pas l'avoir fait. C'est pas m'énerver non plus, parce que c'est vrai que je me sens que mon équipe a proposé ce contenu intéressant et cohérent que vous dites. On a poussé, on n'a pas réussi, voilà, c'est le football. Première mi-temps équilibré, sans trop le rythme d'ailleurs. Et sur leur, je pense, c'est leur première accélération, vraiment une belle combinaison, ils arrivent à trouver l'ouverture. Bon, on subit sur quelques coups arrêtés, mais sans plus, c'est pour le mi-temps. Il me semble qu'on fait un peu attaque-défense. Les situations de contre qui auraient pu faire le break. Et nous, malheureusement, on n'a pas réussi à mettre ce petit but qui nous aurait pleinement satisfait. Malheureusement, on n'a pas fait.